Je crois qu'il est fondamental que le débat national sur les rythmes scolaires, les rythmes d'ailleurs dans leur globalité, c'est la question de l'organisation de la journée scolaire, au primaire mais également dans le secondaire, de la semaine, et donc du nombre de jours travaillés pour les élèves dans la semaine, et puis peut-être encore plus d'ailleurs la question de l'année scolaire, le nombre de semaines travaillées dans l'année. C'est une question qui ne peut pas être uniquement vue, comme ça a été trop souvent le cas dans les politiques publiques, soit vue des intérêts des parents, des enseignants, voire même d'ailleurs de certains lobbies industriels, notamment du tourisme, qui chacun ont une légitimité à intervenir dans le débat, mais il faut replacer l'élève au cœur de ce débat et les intérêts pédagogiques des élèves au cœur de ce débat. Et force est de constater que les journées trop chargées pour des élèves, pour des enfants jeunes, les journées de travail trop longues, trop chargées ne sont pas efficaces, et que nous pourrions gagner à avoir une année scolaire plus longue, notamment en diminuant, pourquoi pas, en effet de 2 semaines les vacances, notamment d'été, pour avoir des semaines de 5 jours travaillées en intégrant le mercredi. Et je crois que ça aurait plusieurs avantages. D'abord, avoir des journées peut-être moins chargées, des semaines de fait plus longues, avec 5 jours pleins travaillés. Et puis aussi, et c'est à mon avis une réflexion extrêmement intéressante, ça obligera les collectivités locales, l'éducation nationale, les établissements scolaires, les écoles en ce qui concerne le primaire, à peut-être œuvrer pour travailler un peu plus ensemble, et notamment créer ce que j'appellerais des alliances éducatives. Nous savons bien que s'il y a 5 jours pleins scolaires pour les élèves, ça ne sera pas forcément 5 jours avec un professeur des écoles devant ses élèves, et qu'il faudra qu'il y ait, coordonné d'abord par l'éducation nationale, mais en partenariat avec les associations d'éducation populaire, les fédérations de parents d'élèves, avec les collectivités locales pour ce qui est des activités périscolaires, mais que nous ayons une offre éducative globale de 5 jours pleins. L'école doit évidemment rester le cœur et le centre de ce système éducatif, mais je crois que nous aurions beaucoup à gagner à ce qu'il y ait plus de dialogue à l'échelle locale. Et je pense que le débat sur les rythmes scolaires peut être une bonne porte d'entrée pour avoir notamment des projets éducatifs locaux denses, réfléchis, construits, qui puissent permettre que l'élève soit réellement au cœur de la pensée éducative et non pas des intérêts qui sont légitimes, importants, mais qui ne sont pas les intérêts des élèves. Il y a un sujet qui est assez révélateur du fait que notre système, notamment dans le primaire, manque d'investissement financier, économique. La Cour des comptes l'a remarquablement montré d'ailleurs en comparaison sur l'investissement économique financier dans le primaire. Mais la question du redoublement démontre à quel point la transformation de notre système scolaire, qui est un système élitiste, qui organise le tri social à tous les étages. La sélection par l'orientation ou l'orientation par la sélection par l'échec, qui épouse malheureusement les considérations sociales des familles d'origine, on constate qu'il ne suffira pas de mettre des moyens supplémentaires s'il n'y a pas une transformation parfois assez radicale du système. Le redoublement est l'exemple même d'un système qui ne fonctionne pas et qui marche sur la tête. Et c'est un des échecs d'ailleurs de la loi d'orientation de 89, c'est de ne pas avoir été en capacité de réellement mettre en place cette politique de cycle, notamment au primaire. Le lien, c'est lequel? C'est que si un élève ne répond pas à la réussite normée et ne s'intègre pas dans un système assez tubulaire de classes, d'années scolaires, à programme particulier par année scolaire, s'il est en situation de décrochage ou d'échec, on lui impose le redoublement. On lui propose souvent, on lui impose le redoublement. Or, on sait que les bénéfices pédagogiques d'un redoublement sont à peu près désastreux pour 1000 raisons qu'on ne détaillera pas maintenant. Une politique du cycle permettrait d'avoir une approche pédagogique différente, d'avoir une approche pédagogique individualisée et de permettre que des élèves puissent accéder à des connaissances, des compétences par cycle avec un rythme peut-être un peu plus individualisé. Et cela forcerait également les enseignants qui souvent le font déjà, mais non pas les moyens en termes d'autonomie pédagogique pour le faire, cela forcerait à avoir des réflexions pédagogiques innovantes, créatrices peut-être de plus d'égalité par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Notre système éducatif, l'école primaire, mais également l'enseignement secondaire, aura besoin dans les années qui viennent de transformations structurelles, systémiques majeures. Il faudra pour cela rétablir une confiance avec les professionnels et notamment les enseignants. On sent bien qu'il y a aujourd'hui une difficulté d'engager cette réforme de l'école en partenariat avec des enseignants qui, aujourd'hui, ont souvent le sentiment que le mot réforme est toujours synonyme de régression sociale. Et parfois, d'ailleurs, c'est plutôt à juste titre. Et les enseignants seront mis à contribution de beaucoup de transformations de ce système éducatif. La question des rythmes scolaires a des incidences majeures sur l'organisation du temps de service des enseignants. L'autonomie pédagogique qui doit être accrue dans le primaire et dans le secondaire aura des incidences sur les modalités de travail de ces mêmes enseignants.
En échange, je crois qu'il faudra une revalorisation du métier, qui ne sera pas que économique et financière, mais il faut aussi que la nation redonne toute l'estime légitime et nécessaire à ce métier d'enseignant, et notamment de professeur des écoles. Et puis il faudra aussi une formation professionnelle initiale et continue digne de ce nom. Moi, j'ai un regard très critique sur la réforme qui a été mise en place par le gouvernement actuel de la formation des enseignants, parce que nous allons réussir le tour de force d'avoir certes des enseignants qui sont recrutés maintenant au master, donc à Bac plus 5, et pour autant d'avoir des enseignants qui n'auront jamais été aussi peu formés au métier d'enseignant, c'est-à-dire à faire classe. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances disciplinaires excellentes, il faut aussi savoir et apprendre à faire classe. Or ça, on n'apprend plus ça avec la réforme de la formation professionnelle des enseignants. Et puis je pense également qu'il faut une formation continue professionnelle de qualité obligatoire pour tous les enseignants au primaire comme au secondaire. Comment penser qu'on puisse faire des changements des programmes scolaires, y compris aux primaires, et ne pas imposer à tous une formation continue, professionnelle, pour garantir que les enseignants ont eux-mêmes intégré quels changements ils devront prendre en compte des programmes, notamment pour les élèves, y compris aux primaires. Alors ça veut dire une formation professionnelle vraiment de qualité et validée pour attirer notamment l'adhésion des enseignants.